Le 8e dîner de l'économie. C'est ce soir et c'est à Gap. C'est la soirée qu'il ne faut pas rater dans les Hautes-Alpes quand on est entrepreneur. C'est une façon de se retrouver, de réseauter et en même temps de prendre un peu de hauteur sur une question d'actualité. C'est toujours passionnant. Et on en est à la 8e édition et ça ne faiblit pas, ça ne s'étiole pas. Tout ce qui compte pour faire partie des forces économiques dans le département est là ce soir. Alors le thème de la soirée, c'est l'économie durable. Ça peut paraître un peu paradoxal comme ça, mais notre intervenant pense que ce sont deux notions qui sont tout à fait compatibles. C'est Maude Fontenoy, elle est à la fois navigatrice, mais aussi très engagée dans l'écologie. Elle a sa propre fondation, elle a écrit plein de livres et c'est surtout un parcours de vie. L'écologie, c'est quand même un sujet qui divise les gens. Donc aujourd'hui, il faut essayer de remettre tout le monde dans la bonne file et d'avancer comme ça. Donc l'idée, ce serait de passer de l'intention à l'action. Les chefs des Olivades nous ont mitonné un repas avec des produits locaux. C'est ça l'originalité de ce repas ce soir. On a de la pomme qui vient du sud du département. On a de la truite de Châteauroux qui vient donc du centre du département. Et du veau qui vient du nord. Et puis on a même des vins locaux. J'ai surtout envie qu'ils ressentent le terroir et qu'ils se retrouvent dans les plats parce que c'est une majorité de Hautes-Alpes. Si tout le monde sortait de cette salle en disant « j'ai une illumination et je vais mettre en pratique dans mon entreprise quelques bonnes pratiques pour améliorer le quotidien », on aura gagné. Rendez-vous en 2020.